Bonsoir tout le monde, bonsoir YouTube, bonsoir Twitch, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, on se retrouve sur une nouvelle carrière bien sûr de la campagne La Bretagne. La Bretagne, ça vous gagne. Nous sommes en direct de Twitch. Twitch foutait le bordel, gentiment bien sûr. Et nous partons sur une nouvelle carrière sur la campagne Bretagne. Une nouvelle map assez pas mal, assez bien designée, j'aime bien avec... voilà. Nos viewers qui nous ont qui nous ont guidés pour nous mettre plein de nouveaux modes, enfin cette nouvelle carte déjà et plein de nouveaux modes assez intéressants. Une petite carrière qui va pas être trop dégueulasse en carrière partir de zéro, donc je démarre avec 500 000 euros. Je vais y arriver. Et bien sûr, en remboursant le crédit, je vais être à 300 000 euros. Donc ce que je vais faire au départ, c'est de rembourser le crédit gentiment. Et on va partir dessus en sachant que les viewers m'ont fait prendre un paquet de mods. Mais quand je dis un paquet, c'est vraiment j'ai un paquet de mods que je ne connais pas. Voilà, qu'il va falloir que je découvre tout au long. On a tous les DLC du jeu. On a des classes CC450. On a des classes Dominator Médion. On a du Fent. On a, voilà, je vous montre un peu tout ce qu'il y a. Et merci beaucoup Clémoud pour les 5 subs offerts. Et oui, nous sommes aussi en événement ce bâton. Tout le long du mois de mai pendant cette carrière farming. Donc si vous voyez que je gonfle des ballons, c'est tout à fait normal. Voilà, parce qu'à chaque sub offert, je gonfle un ballon. C'est pour ça que vous voyez plein de ballons autour de moi. C'est parce que les gars, le premier soir, on était censé démarrer farming. J'ai jamais pu démarrer la carrière. Voilà. C'est pour ça. On va faire un petit tour d'horizon gentiment de cette carrière-là. Gentiment, on va regarder la petite carte. Donc petite carte bretonne pour vous montrer un peu le PDA. La campagne bretonne, c'est pas une grande carte, ça tombe bien parce que je vais jouer exclusivement solo au démarrage. Vraiment quand je commencerai à être débordé, bah je m'amuserai bien sûr à gentiment dire de prendre en multijoueur. Ça sera pas dégueu. Et merci pour le follow gorille. Merci beaucoup. Merci merci. Et peut-être qu'en multijoueur, je la mettrai en serveur communautaire sur la fin pour qu'on puisse tous jouer avec. Parce que là, il y a plein de modes assez intéressants, assez faciles. Et ils sont tous mod-up. Voilà, on a tous pris mod-up avec Twitch. On a fait la carrière entièrement avec Twitch. Donc c'est assez sympa, c'est pour ça. N'hésitez pas à venir sur Twitch. Je gonfle mon petit ballon que Clémoud vient de gagner. Et merci Gang pour le follow. Merci beaucoup. Oh le con. Merci beaucoup, merci merci. Le voisin a perdu 10 vaches. Comment ça le voisin a perdu 10 vaches? J'ai écrasé 10 vaches, c'est ça? Non, qu'est-ce qui s'est passé? Et Clémoud, merci beaucoup. Ah, je l'ai pas dédicacé, j'ai oublié de le marquer. Hop là, pardon, excusez-moi. J'ai failli balancer un truc qui était pas dédicacé. Clémoud. Clémoud. Voilà. Donc tout au long du mois de mai, donc pendant la carrière, vous allez voir des ballons derrière, ça va de plus en plus grossir. À la fin, mon décor devrait être un champ de ballons, voilà. Ils sont partis en vadrouille. Merci Dark, merci merci, je l'ai lu, je l'avais lu ton message, merci énormément. Et du coup, campagne Bretagne, du coup... Pas énormément cher les champs si vous regardez, valeur 25 000, 21 000, le plus grand je crois que c'est 75 000, c'est ça, 72 000, 71 000, 55 000, donc des petits champs pas si chers que ça, qui va être assez facile, hormis les 15 millions de maps, voilà, ça va pas être dégueulasse, ça va être compliqué mais pas dégueulasse, ça va être le but du jeu, c'est d'acheter tout le fond de map à la fin, voilà, ça va être bien. Et comme vous voyez, un peu de... Alors je vais redescendre un peu de vallonnage, mais pas non plus énervé. Un peu de production, comment dire. Si je vous explique rapidement, tac, on a de la luzerne, on a du trèfle, luzerne semence, betterave, carotte, panais, bon ça vous connaissez. Voilà, on a le traditionnel, mais on a un peu plus de culture derrière, voilà. Et... Et t'as Twitch qui est en train de foutre le bordel derrière. Et la petite carte. Et la petite carrière. Impeccable de frein. Qui va bien. Qu'on va commencer tout de suite. Et maintenant. Donc comme vous voyez, il y a quand même des décors qui sont assez sympathiques. Et du bruitage qui sont pas dégueulasses. Merci à Gris pour avoir offert un sub à Aurel. Merci beaucoup. Merci, merci. Du coup.
Du coup, mesdames, messieurs, est-ce qu'on attaquerait pas tout de suite? Est-ce qu'on attaquerait? Est-ce que vous avez des suggestions Twitch? Dites-moi. Est-ce que par quel champ je pourrais commencer? Parce que je connais pas trop la carte. Campagne Bretagne, de toute façon, j'ai pas de véhicule. Il faudrait déjà un corps de ferme. Celui-là, il pourrait être pas mal. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des vaches dans le coin? C'est honteux. C'est honteux. Est-ce qu'on a des animaux? Non, vous n'avez pas encore d'enclos. C'est normal, on est en partir de zéro. Ça m'aurait étonné. Explosion! Les gars, ils foutent le bordel. Il faut être le bordel. Mon dieu. Le petit concessionnaire qui est là, qui est pas trop dégueulasse. Le petit concessionnaire casse qu'on aime bien. Voilà. Nos premiers tracteurs qu'il va falloir acheter aussi. On va essayer de regarder. Le 29, ce qu'ils ont. Le 29. Alors, voyons voir. 29. 29, il est ici. Ça y est, foutre le bordel. 29 000 euros pour 29. Le strike de YouTube, là. Ça, c'est le strike de YouTube, c'est obligé. Ça y est, ils foutent le bordel. Ils sont présents, Twitch, ils sont là, ils sont nombreux. On est une centaine de personnes. Et ça y est, ils ont décidé de foutre en l'air la rediff. Tu commences avec quelle culture? Je sais pas du tout. En fait, j'aurais commencé... Alors, vu les modes qu'on a, on a quand même quelques modes assez sympathiques. Alors, surtout, si je finis de faire le tour, on a des modes, de type... ils sont où? Que je vous montre un peu. Je sais pas si je vais les voir, là. Parce que j'ai des nouveaux menus que je connais pas. Ça, c'est le farm production. Moi, je vais commencer peut-être par un poulailler. Ça pourrait être pas mal, comme je fais d'habitude, un petit poulailler. Mais il me faudrait un petit terrain qui est pas dégueulasse, tu vois, un endroit où je pourrais poser un poulailler. Pour commencer, et puis après un petit champ avec du blé, je pense que ce démarrage ici, comme on était là, ça pourrait être pas dégueulasse, qu'est-ce que vous en pensez? Si on démarre ici, je pense que ça peut être bien. Ça pourrait être pas mal, non? Moi, je pense que ça peut être très bien. Ça peut être très bien. Voyons voir, je suis où là? Je suis juste en dessous du 29. Je suis dans le 52. Il coûte 43 000 euros. Moi, je pense que ça va être très bien pour commencer. 43 000 euros. Hop, c'est impeccable. Derrière, ce qu'on peut faire, c'est que je peux acheter... Ah, on peut se servir, vu que j'ai tous les DLC, on peut se servir du Farm Production Pack. Ça pourrait être pas si dégueulasse que ça. Je pense, pour tester un peu le nouveau DLC dans le même élan. Ah oui, c'est ça, affiche la boîte de dialogue des commandes VIP. Alt droite, 0. Alors 0 de quoi? 0 du numpad? Non, ça c'est 0 du numpad, c'est mon easy dev. Ah putain, il est sur la même commande. Ah. Alt droite. C'est 0 ou? Ah non, c'est où? Voilà. Du coup, comme vous voyez, j'ai des demandes spécifiques à certains fermiers. Voilà. Donc du blé 19 000 litres que je peux revendre 26 000 litres. Du coup, qu'on peut prendre, voilà, qu'on peut annuler, on peut prendre, histoire de, voilà, de livrer, et de se retrouver avec un surplus, voilà, un surplus d'argent qui pourrait être pas mal. Il nous faut des moutons et tout, c'est pour ça que je veux prendre les animaux rapidement, parce que je sais qu'il demande des œufs, il peut après des gâteaux, des tout ça, donc du lait. Donc je pense que ça pourrait être pas mal. Je pense que là, il y aurait la place pour un petit poulailler, là, derrière le linge, là. Je pense que ça pourrait être pas mal. Petit poulailler, il nous reste quoi? 256 000, il faut faire attention parce qu'il faut quand même qu'on y arrive à s'en sortir. Si on prend des poules, là c'est le premium extension pour 20. 20, 360 poules, ça peut être pas dégueulasse. Pour 79 000, et il faut juste que j'arrive à le placer correctement pour pas qu'il... Bah ici ça va être short, ici ça va être un peu short. Est-ce que je peux pas le placer plutôt là? Ou là, on garde pour l'emplacement pour les... Qu'est-ce que vous en pensez, Twitch, là? Ici, on le garde pour le... putain, on le garde pour le... Putain, ça va être chaud parce que là, il devait avoir un bâtiment ici, en fait. C'est ça qui a disparu. Il devait avoir un bâtiment, là. C'est pas possible. Il y a une barrière et tout. Je pense qu'il y avait un bâtiment dans le coin, là. Je pense qu'on va le mettre plus dans ce sens-là. Si on le mettait à ras de la barrière, il va falloir remettre des barrières. On va essayer de refaire un design. Hein. Un design pas dégueulasse, ça pourrait être propre. Je pense qu'ici... Pourquoi je chevauche un autre objet? Je demande de le mettre là, ça y est, c'est bon. Là, c'est bon, je pourrais le faire. Là, ça pourrait être pas mal. C'était le bâtiment vache qui était ici? Ah ouais? Ah ben, en carrière partir de zéro, on commence avec zéro bâtiment. Donc du coup, c'est vrai que c'est plus compliqué, tu sais. Tac, tac, ici, tac, tac, voilà.
Voilà, je reviens sur le truc, ça va être pas mal. Du coup, là, on mettra une petite barrière. Je remettrai une barrière après. Tac. Ouais, en plus, ça s'ouvre dans ce sens-là. Donc, je remettrai une petite barrière ici. Et on verra ce qu'on mettra derrière. On pourra mettre peut-être le farm pack. Qu'est-ce que vous en pensez du farm pack? Parce que... avec la nouvelle extension, le nouveau DLC qu'ils nous ont mis, là. Normalement, il y a le farm pack. Et en plus, c'est rentable. Ça peut être vachement rentable au démarrage. Donc, je voudrais voir. Je voudrais confirmer que ce truc-là est rentable. Je sais plus dans quoi c'est. C'est dans outils, je crois. Non, c'est dans quoi? C'est dans production, non? Le farm pack. Ah, 80 000 quand même. Ah ouais, 80 000 le système Lily, là, pour avoir de l'engrais rapidement, tu sais. Ça peut être sympa d'avoir de l'engrais rapidement, là. Là. L'objet chevauche un autre objet. Oui, je sais, mais attends, bouge pas. Je vais te le mettre bien, comme ça, ça chevauchera rien du tout. Et là, on pourrait être pas dégueulasse, là. Que vous en pensez, là? Si je le mets ici, ce sera propre? On dit oui? 80 000, il va nous rester 100 000 pour les tracteurs, j'espère que ça va être bon. Bonsoir, bonsoir! Bonsoir tout le monde! Hop là! Bien sûr, on fera de la décoration juste après, voilà, gentiment. Du coup, on va commencer par ça. Ça va être plutôt propre. Donc, il va nous falloir un peu d'acide citrique. Sulfurique, pardon. Et il va nous falloir surtout... des poules. Donc, on va acheter un coq, ce qui sera pas dégueulasse. Et derrière, on va acheter... on va acheter des poules. On va en acheter 120. Parce que le budget va descendre vite. On n'aura pas grand-chose en budget, là, à la fin. Là. Oui, 120 poules. Il y a un coq, ça va se reproduire. Fallait mettre où il y aura plusieurs animaux. Bah là, il y en a 360 des animaux, ça va pas être dégueulasse. Hello, poulet basket. Hello. Fais gaffe, prends les matos et tracteurs avant. Ouais, non mais j'ai pas besoin de beaucoup de choses. J'ai pas besoin d'énormes, tu sais. Là, il nous reste 90 000 euros. Oubliez pas, j'ai encore le crédit, hein. Vous savez très bien que Schizo, au démarrage, voilà, il dépense. Mais j'ai pas peur, les crédits vont arriver très bientôt. Vous inquiétez pas. Si vous avez peur... Eh ben, vous inquiétez pas, ça arrive. Du coup, comme vous voyez, derrière, nous avons le petit Fiat que j'ai promis à la communauté de récupérer. C'est le Fiat 1300 DT, le fameux Fiat de Ravenport. C'est le petit clin d'œil à la série. Configuration étroite, normale. Je vais le prendre en standard. Voilà. 25 km/h pour commencer cette carrière. Pas dégueulasse, 32 000 euros. Bonjour René, comment tu vas? Derrière, nous aurons bien sûr besoin d'une remorque. On est d'accord? Une petite remorque. Une remorque, on va pas prendre une très grande. On va regarder ce qu'ils nous ont mis en mode, les copains. On avait les packs brochards. Les packs brochards avec 15-27 mètres cubes, ça peut être pas mal. Qu'est-ce que vous me conseillez, Twitch, là? Une essieu, double essieu, triple essieu. Double essieu à 33 000. Qu'est-ce qu'on prend? Après, on avait quoi? On avait les lisards, mais il faut le camion avec. On avait les packs Sodimac aussi. Mais les Sodimac, ça, c'est de la BNTP, non? Puis c'est cher. Putain de ta mère, c'est cher. On va revenir sur les packs, voilà. Ceux-là, ils sont pas chers. Les brochards, j'aime bien, les brochards. En double essieu, pour 27 000 litres, c'est pas mal, tu sais. Celle à 24. Ouais, à 24 000, là. Celle-ci, vous aimez bien? Elle est grande! What the fuck, elle est grande! Ça fait peut-être un peu gros pour le démarrage pour le Fiat, non? C'est vachement grand, 15 mètres cubes. Peut-être celle-là, hein. Ce sera peut-être un peu mieux, non, pour le Fiat, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Configuration. Avec la vis à grain. Oh, il y a la vis à grain en transfert dedans. Ah ouais, juste ouf. Non, laquelle? Vous croyez que c'est pas grand, là? 24 000, là? C'est peut-être un peu gros. Config. Bah déjà je la prendrai avec la vis de transfert. Ça c'est juste obligatoire. Parce qu'elle va tellement pouvoir nous servir plus tard. Vanderstadt Cargo XB. Là. Autocollant ancien, nouveau. Ok, ancien. Regardez, c'est quoi? Ouais, on peut prendre la nouveau, hein. Nouveau, c'est pas dégueulasse. Feu de gabarit. Bien sûr les feux de gabarit. On est en France, obligatoire. Gyrophare numéro 9. Il a mis où le gyrophare? Ah c'est ça, je suis sûr que c'est ça. Voilà, bah je préfère les vieux, bons vieux, tu sais. Catadiopre de la caisse lumineux. Là, voilà.
Feu de travail arrière, oui. Un petit feu de travail arrière au cas où pour reculer dans la nuit, tu sais. Panneau d'avertissement, ok. Bâche, oui. Petite bâche. Moi j'aime bien les bâches. Voilà. J'aurais pas assez de sous. Report de charge. Oui. On a même les reports de charge. Incroyable. Incroyable comme. Pas dégueulasse là. Hein. Couleur principale, couleur du motif. Les couleurs d'origine de Brochard, c'est bien ça. Hein. C'est bien bleu et blanc. Je les connais pas du tout celles-là. On va. Je vais essayer de faire baisser un tout petit peu le budget. 38 000. 7 000, c'est ça qui me coûte le plus cher. Voilà, 31 000. Cool. Là, je serais mieux. Là. On va la garder d'origine comme ça, on la rechangera après. Ça pourrait être pas mal, tu sais. Ça pourrait être pas mal. Attendez. Bouge pas, j'arrive. Crédit, bien, toi. Une essieu. Celle à 24, oui, config. Ouais, comme ça, nickel. Impeccable. Ah, il y a Aurélien qui a banni une action en jeu. Attends. Schizo Token, 7000 VIP abonnés depuis 34 mois, badge 2 ans et demi. De Aurélien qui a banni une action en jeu. Et c'est quoi ton action en jeu qui a été bannie, mon petit Aurélien? Parce que j'ai pas suivi. Bien joué, Aurel. Il a banni quoi? Il a banni le crédit, je parie. Ah ouais, le crédit. Putain, il a banni le crédit. J'ai pas le droit au crédit, quoi! Je fais comment maintenant avec 1400 euros? Hein? Bravo, merci. Voilà. Ah bah c'est joli. Oh, c'est vrai que j'ai un clavier souris. Hop là. Oh, par contre le retour de force, il est où là? Il est dans mon cul là, le truc là. Oula. C'est vrai que j'ai oublié de reconfigurer le clavier, je crois. Alors, hop, pas le clavier, le truc. T'sais. On va l'accrocher du coup. Putain, mais comment je fais moi maintenant pour la location de la. Oh, ça va être compliqué, tu sais. Ça va être compliqué. Oui, vue inter. Ne vous inquiétez pas. Bon, du coup, banni, j'ai pas le droit au crédit, ça va être compliqué. Tu te promènes sur la carte? Ouais, bah ouais. Allez, je comprends, je vais me promener sur la carte. Je vais aller loin, tu sais. Tu as zone morte sur ton volant? Fais voir. Oui, j'ai les zones mortes sur le volant, ouais. Ouais, j'avoue que j'ai les zones mortes, ouais. J'adore ce vieux flat. Ouais, le vieux flat, le vieux Fiat, pardon, il est juste intéressant, t'sais. Moi, je l'adore aussi, t'sais. Donc, déjà, on va essayer de ramener la benne à la maison. Ça pourrait être pas mal. Et, tu te souviens où tu trouves les vaches? Ouais, déjà, il faut que j'arrive à retrouver mon chemin... J'arrive à retrouver mon chemin dessus là, ça pourrait être pas mal. Oh, 25 km/h, j'avais oublié les 25 km/h. Mon dieu, que j'avais oublié. Oh putain. Ah, j'avoue que ça va être terrible ça. Ça va être terrible. Ah, j'ai la zone morte, elle est énorme d'origine sur farming là, la zone morte là. C'est incroyable comment c'est mal foutu la zone morte d'origine. C'est où pour aller chez moi là? Je m'en rappelle plus, moi. Comment on fait? Pas dégueu, cette remorque? Non, elle est propre, la remorque. Elle va pouvoir être intéressante. À la base, je voulais commencer avec une location, tu vois. Et du coup, j'ai pas le droit au crédit pour cet épisode, donc ça va être compliqué. On va regarder l'émission, en attendant. C'est pas grave, je voulais ramener... Fou le bordel, ce truc, hein. Le Fiat, ah, il peine, en plus. C'est quoi, ce bordel, qui peine comme ça? Oh là. C'est pas grave, on va se faire une petite promenade, en attendant. Oh là là, et les routes sont étroites ici, hein. Les routes sont étroites, mais je crois que ça passe pas, chef. Je passe pas avec la double essieu, là. Chef, il y a comme qui dirait un mur, on fait comment? Il va falloir que je prenne plus large. Alors bien sûr, on a les destructions de culture. On a toute la difficulté augmentée d'habitude. Voilà. Oh là là. Ouh, ça va être compliqué, là. J'avais pas prévu de prendre aussi large. Voilà. Tac. On va revenir devant, on va essayer. Maintenant que je suis au courant que la remorque est un peu compliquée. Oh, elle est plus que compliquée, elle passe pas là. Et je passerai jamais, je suis bloqué. Ah bah bravo. J'ai juste une benne à ramener à la maison, je vais jamais y arriver, tu sais. Attention les panneaux!
Attention les gamins, rangez-vous. Est-ce qu'ils ont qu'arrive? Oh, pour passer en ville, c'est la merde. Eh hey, la Bretagne, vous avez pas faire des routes plus larges? Quoi ce bordel? J'ai un tracteur, j'ai un petit Fiat, j'ai pas une X9 quoi, merde. Ça devrait passer correctement, tu sais. Descends au bourg par derrière le garage. Oui, je comprends. Ouais, putain. Et par contre, la zone morte, ouais, il va falloir que je l'enlève à un moment donné. Mais on fera ça entre deux missions parce que je crois qu'il faut que je revienne au menu. Il faudra que je revienne au menu pour enlever ça, tu sais. Touche pas à la Bretagne. Non, t'inquiète pas, la Bretagne. La Bretagne, ça vous gagne, comme dit BZH. C'est pas dégueulasse. Hop là. Je crois que j'ai retrouvé ma maison. Premier épisode. J'ai acheté ma première maison. Il va nous falloir du blé. Donc il va falloir qu'on regarde les missions. Mais j'ai pas le droit de toucher au clavier non plus. Ça va être compliqué. Comment on fait pour toucher pour comment on fait pour les missions si j'ai pas le droit au clavier? Select. Non. Start. Voilà. J'y arrive mon garçon. Oh, je peux pas me déplacer. Oh, pourquoi? Ah si. Labourage. Pressage. Travail des champs. Oh, c'est tout ce que j'ai? Il n'y a même pas de... Attends. Il n'y a même pas de... Comment ça se fait? Récolte. Prêt à la récolte. On a le 28, 46, 33, 37. Blé, orge. Blé, orge. 38. Ah si, on en a un. Blé, orge. Ah, j'ai plus de souris. Ah, parce que l'autre, il est en train de me faire chier aussi. Les orges, 28, 28, 28, on l'a pas. Oh, ça va être la merde, ce démarrage de carrière, là. 28, c'est pas de l'orge. 28, on est sur... Putain, on est sur des pommes de terre. Il nous faudra du blé. Va nous falloir du blé, ça va être costaud. Ça va être costaud, ça va être costaud. On n'a même pas de quoi porter. La mort d'entrée de jeu, allez, go le labour. Ouais, je pense que... Je pense qu'on va partir sur une petite mission gentille. Hein. Je pense que c'est ça, hein, parce que là, de toute façon, je pourrais rien faire. J'ai même pas regardé les occasions. Comment je regrette de pas avoir regardé les occasions. Je m'attendais à pouvoir le crédit, mais apparemment, Twitch en a décidé autrement. Le pressage va rien valoir, ça va être trop long. Le labour... putain, pour 722, ça va être la merde. Travail des champs. Je prendrais bien le travail des champs pour mettre l'ouvrier. J'ai le droit à l'ouvrier. C'est 50 000, les vaches. Ah bah oui, ça va être compliqué. Le 37. Comment ça, le 37? Emprunter les objets. Pff, ça va rien valoir. Je vais rembourser 100. Ça va être merdique, ça. Ça, c'est pareil. Bon, 56. Pressage. Ouais, mais après, ça va être de la merde. Non, il faut qu'on arrive à se démerder, là. 1009. Ah oui, mais j'ai pas le droit au crédit. Comment on fait là? Putain, tu m'as foutu dans la merde, Aurel. T'es chiant. Fais chier. Bah oui, j'aurais jamais assez. Bon, bah écoute. Faut que j'en prenne une petite. Hein. Il y aura pas à chier. De toute façon, c'est bannir une action en jeu pendant 5 minutes. Hein, donc on a le temps de faire une mission. Et puis de continuer après, hein, ça va être pas mal. Hein. Emprunter les objets, hein, voilà. On va faire ça. Hein. Mettre en route. Bah vas-y, mets en route. Bah, j'ai accéléré, mets en route. Il est con le truc. Ok. Le 37 est en blé. C'est 50 000 les vaches. Ah oui, 50 000 euros les vaches, oui, ça va mettre un petit moment. Salut Agri! Je go voir la F1. Bon, même je sais que c'est Verstappen qui va encore gagner la pole. Bah ouais, voilà, il n'y a plus de surprise hein, maintenant. Red Bull devant, mon copain. Mais bon quoi, j'ai bon F1. Bon F1. Hop là. Et nous, on va aller faire du coup le petit 12 au volant. Regardez comment ça se passe. Ça pourrait être pas mal. Eh, je m'habitue au volant, hein. Première carrière au volant. On va essayer. En plus, j'ai un angle mort qui est juste archi dégueulasse. Quand je dis archi dégueulasse, c'est vraiment archi dégueulasse. Petit 12. Je peux aller tout droit, là? Ouais, je peux aller tout droit. Hop.
C'est moi ou je vole derrière? Non, c'est bon. Le T12. Hop. Et on descend. Tourne. Voilà. Alors, est-ce qu'on est bien là? On a l'air bien là. Pas l'air trop mal. Hop là, c'est parti mon kiki. Let's go. Eh, contrat à 10%, je viens de rentrer dedans quoi. Allez. Incroyable. Incroyable ce petit. Attends, je suis dans le 14 là. Non, je suis toujours dans le 12 là. On dirait que je suis dans le 14. Ah, la délimitation, c'est chaud. Comment on monte au volant? Ah ouais, mais il est pas configuré du tout le volant. Le volant, il est pas configuré du tout. C'est sûr. Ah bah ouais, là, je suis en train de faire des dingueries, tu sais. Tu revends ton tracteur et ta remorque, comme ça, tu pourras peut-être acheter le terrain et louer une petite moissonneuse. Ouais, non, non, bah non, bah non, bah non. On va attendre que l'action bannir s'arrête, tu sais. Une fois que j'aurai fini ce champ-là, il y aura plus d'action bannir, tu sais. Je vais pouvoir le faire. Vous allez pas me planter toutes les 30 secondes? Non mais... Allô? On va peut-être réussir à lancer une carrière à un moment donné. Parce que là, ça devrait bien se passer. Et je comprends pas pourquoi mon volant, il avait l'angle mort alors que je l'avais enlevé tout ce qui était angle mort et tout ça. T'sais. Vitesse manuelle? Non, c'est un vario. Donc, j'ai pas besoin de vitesse manuelle. Mais si j'avais les vitesses manuelles, oui. Oui. Si j'avais les vitesses manuelles. Oh là là, je suis un bourrin. Oh là là, je suis un bourrin, mon copain. Mais là, on n'est pas encore trop mal, hein. Je me débrouille pas si mal que ça. Hein. Oh. Tu les trouves sur la carte, ces objets à récupérer. C'est vrai qu'on a des objets à récupérer. C'est des vaches, non? C'est pas des vaches à récupérer, une connerie comme ça? Je crois que c'est des vaches, hein. Peut-être... Ou peut-être une nouvelle interdiction. Ouais, alors il faudrait que je me promène. Faudrait que je me promène dessus. Eh, qu'est-ce qu'il me fait? J'ai appuyé sur quel bouton? Ce véhicule ne peut pas être utile. J'ai rien fait. Eh oh! Merci. Il m'a fait peur, lui. C'est plus moi qui contrôlais le tracteur. J'ai appuyé sur un bouton qu'il fallait pas. J'ai dû appuyer sur l'ouvrier. Non mais... J'étais inquiet. Hop là. On va faire le détourage et au pire je vais mettre l'ouvrier après, hein. Ça pourrait être pas mal. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Petit détourage et après on va à la chasse aux vaches. Alors une vache, j'en avais repéré une je crois. T'sais. 50 000 la vache? Dans le jeu là, 50 000 euros la vache? Ah, mais 50 000 ça peut me permettre de me sortir de la merde sans crédit alors du coup. Ah, ça peut être pas mal. 50 000 euros la vache. Oh, vous avez perdu. Comment ça vous avez perdu? Je galère là. Je suis pas sûr d'avoir perdu. Par contre, le volant c'est plaisant sur Farming. Oh, incroyable comment c'est plaisant. Limite, il me manque la boule, tu sais. Go les vaches. Ouais, go chercher les vaches, ouais. On est d'accord. Bah attendez, bougez pas là, j'arrive. Je mets le. Je finis le détourage là. Et je mets le. Je mets l'ouvrier là. Ça va, pour la fin, il va réussir à se débrouiller, tu sais. Je pense. Hop là. Bannir une action en jeu. Interdit à l'ouvrier. Non mais c'est bon, ils ont décidé de me plomber. Ils ont décidé de me plomber. En vrai. Nul. Nul. Putain, et comment je fais pour aller chercher mes vaches? Nom de Dieu. Oh putain, oh putain. Et schizo, faut freiner à un moment donné. Non mais lol quoi. Voilà, voilà, voilà. Ah ouais, vous avez décidé que je fasse du culti dès le départ, comme ça, là. Oh, le démarrage de carrière. C'est vous qui l'aura choisi, hein. Si YouTube, il regarde pas, ce sera votre faute, hein. Je vous le dis, hein. Et YouTube, dans les commentaires. Allez, let's go. Enlève cette action, bannir. Quoi, ça veut dire quoi, ça? C'est nul. C'est nul. Descends, il va aller chercher direct. Ah, descends, il va aller chercher. Mais il va nous rester encore le truc à faire. Ça va être compliqué, non? Attends, parce que alors moi, du coup, je galère de ouf avec l'histoire de l'angle mort, là. Par contre, le retour de force, il est gentil, hein. Sur Farming, il est pas non plus énervé de ouf. Hein. Il est doux, quand même. C'est honteux. Et c'est honteux, on est d'accord. C'est tout à fait honteux. Oula, oula. J'ai failli oublier un bout, là. Par contre, j'adore
le ressenti volant sur farming. J'avoue que c'est un kiff. Je comprenais pas. Je comprends pas pourquoi j'ai pas joué avant à farming au volant. Parce que. Je vous jure que c'est pas dégueulasse. What the fuck? Alors je sais pas vous le ressenti que vous en avez à me voir tourner tout le temps le volant. Mais franchement c'est marrant. C'est juste marrant. T'es. Là limite j'ai envie de me commander une boule, tu vois. Parce que j'arrête pas de faire ça, c'est chaud, tu sais. Avec la vue d'intérieur, c'est bien. Ouais, vous aimez bien avec la vue d'intérieur? Moi, j'aime bien, c'est plaisant. Je l'ai mis en 360 en plus. Donc, je crois que le volant tourne exactement pareil sur le tableau de bord que moi dans le jeu. Fais voir. 1, 2, 1. Et 1. Ouais, non, si, il tourne pareil. Il tourne exactement pareil. Il fait autant de tours dans le jeu que moi en vrai. C'est pas dégueulasse, j'aime bien. J'aime bien. Tu as pas de déboule? Tu as pas de déboule? Alors moi j'ai deux boules mais ça accroche pas au volant malheureusement. Si c'était ça la blague, désolé. Mais non, j'ai pas de déboule. Et bonsoir Vincent, bonsoir. Hop là. Et lol. Bon, on va aller chercher une vache. Ça va être pas mal. Alors, les vaches, où c'est qu'on va pouvoir y aller, les vaches? Où c'est qu'on va pouvoir y aller, d'après vous? Les vaches sont dans les champs, normalement, mais... Je pense qu'on devrait avoir des vaches un peu partout, quoi. Là, je vais pouvoir relancer l'ouvrier, du coup. Ça pourrait être pas dégueulasse. Après, je suppose qu'il avait dit directement... directement tout le champ. Je pense qu'il voulait que je fasse sans l'ouvrier, quoi. C'est ça, hein. Bannière à l'utilisation, c'est tout le champ. C'était pas juste 5 minutes, quoi. C'est dommage, quoi, parce que je l'aurais bien pris pendant 5 minutes, mais... Là, ça y est, là, j'ai pris assez cher, là. Non, mais... Et c'est compliqué, quand même. Ça va durer longtemps, là, l'histoire, là, de me bannir des actions en jeu. Hein? Ah, je crois que c'est plus moi qui pilote. J'ai appuyé sur le bouton. Bon bah je vais en profiter. C'est pas de ma faute. On va le laisser faire. Ah c'était 5 minutes la bannière en action en jeu. Du coup on va aller chercher des vaches. Alors les vaches, il faudra aller par où pour aller chercher des vaches? Il y a des vaches qui coûtent 50 000 euros dans la carte. Je suis curieux de savoir où quand même. Je serais vraiment curieux de savoir où. Parce que là c'est vrai que j'avoue que je fais un labour à 100 euros. Et s'il y a 50 000 euros à récupérer dans un coin, ça pourrait être pas mal de trouver une petite vache. Le problème c'est que les vaches, je sais pas où elles sont planquées. Je sais pas où on va aller. Oh, j'aurais dû regarder vers le corps de ferme. Oh, j'avais pas été le moteur. Où c'est qu'on va aller? Où c'est qu'on va aller? Là, il y a pas de vaches. Il y a pas de vaches. Il y a que des vaches à récupérer. Oh, je suppose qu'en centre-ville, il doit en avoir au moins une. T'es. Ça m'étonnerait qu'en centre-ville, il y en ait pas une. T'es. Je regarde dans le coin quand même parce qu'ils aiment bien les planquer les vaches. Ah, il y en a une là, là. Et regarde. Regarde la vache. Voilà. Nice, 50 000 euros. Hey, j'ai retrouvé mon budget. 50 000 euros de budget. Impeccable. Du coup, YouTube, on va se laisser là. Ça va pas être dégueulasse, bien sûr. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Ça va être propre, là. On va être nice. On va laisser la mission se faire, gentiment. Et on va se dire à l'épisode 2 pour la suite. On va essayer d'acheter un champ et tout ça. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Les skizos. Ciao. Bonsoir. Ciao.